Bonsoir à tous, bonsoir les binots, les bimbos, les petits jeunes de Montbéliard, la jeunesse, les filles et les garçons. J'espère que tu te portes bien. Écoute-moi bien, le Batman Fitness, le tonton, la relève de YouTubeurs Montbéliard. Vous allez avoir un, deux, Batman Fitness et Fitness Classique 2.0. Donc, dans la logique des choses, au lieu de d'aller voler, ou d'aller faire le bordel, ou d'aller faire le cirque en centre-ville. Donc, je vous invite, il y a pas mal de salles de musculation et salles de boxe, judo, au club de rugby, au club d'athlétisme. Vous avez du handball sur Montbéliard, vous avez du basket, vous avez des parcours vita, vous allez dans les magasins de sport, vous achetez un vélo. Vous allez entre amis, vous avez du skateboard aussi, le Pré La Rose à Montbéliard. Est-ce que du skate, ça vous travaille aussi les jambes? Et donc, la petite génération de merde, qui vont aller fumer la moquette, qui vont aller picoler comme des boricots à la noix de coco. Hein, après, on se retrouve chez à la police nationale. Non, non, non. Vous êtes ignobles, la petite génération de Montbéliard. Donc, Batman Fitness de la vérité, tout à l'heure, j'étais interpellé par deux jeunes. Un petit maigrichon qui mange des cornichons, qui ressemble à un cornichon. J'ai vu un deuxième jeune, il a 16 ans, il fait 1m82. 1m82, il m'a demandé comment perdre de la graisse, prendre de la masse musculaire. Je lui dis donc, déjà, tu es inscrit dans une salle de sport? Il m'a dit non. Il m'a dit, j'aimerais bien. Il m'a dit, où tu es inscrit? Je lui dis, à la salle de musculation au centre-ville. Il me dit, laquelle? Il me dit, il y en a plusieurs. Je dis, ouais, basique. Basique, Batman. Il m'a dit, comment je peux faire pour maigrir? Combien de fois par semaine il faut y aller à la salle de sport? J'ai répondu, il faut y aller 5 fois par semaine et 2 jours de repos dans la semaine. C'est plus vous allez vous reposer, plus vous allez prendre de la masse musculaire. Pareil pour la sèche, plus vous allez vous reposer, plus vous allez sécher. Après, vous allez des compléments. Il m'a dit, il faut prendre quoi? J'ai dit, ouais, naturel, je peux perdre 10 kilos, 15 kilos en naturel. Je dis, franchement. C'est impossible. C'est impossible. Vous avez aussi des compléments alimentaires. Ça s'appelle la whey isolate ou hydro-whey. Vous en avez à tous les goûts, à tous les prix, à tous les niveaux. Ça dépend. C'est l'effort qui paye tout. On n'a rien sans rien dans cette vie. C'est votre capacité et votre favori de vous-même et votre pêche. Et votre niaque, comme il dit Philippe Echteveste, comme il dit Batman Fitness de la vérité. Écoutez-moi bien, les petits binots. Regardez ma gueule. Ouais. Donc, il y a un nouveau complexe sportif. Un nouveau complexe sportif qui a ouvert. Je pense que vous connaissez Kamel Meriem, l'ancien joueur du FC Sochaux. Avec Olivier Baudry, oui, parce que je l'ai vu il y a un mois et demi, ben, quand sur centre-ville, je discutais un peu, c'est Arenal 25. Vous situez, vous connaissez le lycée Viette, le Grand Chénois, ben, je suis juste à côté. Oh. Donc, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de trucs dans la salle de sport. Que vous pouvez faire. Il y a du tennis en salle. Vous avez aussi pas mal d'autres activités. Et vous avez aussi un restaurant. Vous pouvez boire un verre. C'est super sympa. La salle qui est ouverte, Kamel Meriem, Arenal 25. Franchement, c'est super sympa. Là, dans la semaine, je vais aller visiter la salle. Il y a du foot en salle. Vous avez quand même pas mal de personnes qui ont des diplômes sportifs. Qui peut vous aider à votre démarche pour la jeunesse.
Pour la jeunesse! Putain, faut me casser la tête en train de fumer la moquette à cette heure-ci là. Allez, deux ans, vous allez prendre la bouteille? La bouteille, elle fait combien? 20 balles. Les 20 balles, au lieu de les donner, vous allez donner 20 balles tous les mois à la salle de sport. Si vous avez une carte d'étudiante, ça va vous faire moins de 30% à l'année. Donc, au lieu de payer 270 balles, vous allez payer 190 balles. Donc, vous avez aussi d'autres, vous avez des salles de boxe. Aussi, vous avez des clubs d'athlétisme vers le Leclerc. Franchement, c'est super sympa. Ou si vous ne voulez pas payer du tout, si vous êtes aisé, s'il n'y a pas de rentrée de salaire, hein, du tout, si vous êtes à Zôle Emploi. Moi, j'appelle Zôle Emploi. C'est pourquoi les Zôle Emploi? Parce que c'est que des os. Les gens, c'est des os. On dirait, on se croit dans une dinguerie. Après, vous avez Zap RSA. Ça veut dire je zappe le boulot et je garde les RSA. Donc, je vous invite à aller dans les salles de sport au lieu d'aller faire le bordel. Allez, I want a two biceps. Ouais!